Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Fernandez avec Rashford. Oh, pas mal ce crochet. Qu'est-ce que ça va donner? La frappe, elle est contrée. Pogba, il va essayer. Non. Petit ballon à McTominay qui veut placer. Ça rentre, non. C'est sauvé par le poteau. Ce ballon-là, il est récupéré par Zapata. Oh oui, bien vu avec Vinicius. Oui. Et ce but qui est là. Déjà, De Gea qui se trouve un petit peu. Le retour en affaire. Kalinic pour son premier but en Ligue des Champions cette saison. De l'autre côté, Ronaldo et la sortie in extremis de Musso. Le centre chez Shaw, la reprise de volée sur le toit du but. Ils ne veulent pas frapper de loin là pour le moment. Ouh, quelle passe superbe. Ronaldo qui ne peut pas finir et cadrer parce que ça s'en va en touche. Mais pourquoi il centre en l'air? Il doit lui donner le tol, Vincenzo. Même si en termes d'occasion réelle, il n'y en a pas eu en pléthore. Hein. Attention, la Pogba pressée, Zapata, ça doit être but. Vous voyez ce qui lui manque, vous voyez ce qui lui manque à Zapata. Ouais. Même si un retour extraordinaire de Bailly, il tarde un peu, il y a le rebond, mais... Oh, ouais. C'est bien joué Fernandez, la talonnade pour Ronaldo, c'est but. Oh, c'est magnifique. Quelle action, superbe action collective de Manchester United, et nouveau but pour CR7. Regardez, Ronaldo, Greenwood et le coup de génie de Fernandez, cette petite talonnade en retrait pour son compatriote. En attendant, il y a ce coup franc pour Ilicic, joué court avec Zappa Costa. Il passe, oui, il avait un petit peu de chance parce que le ballon lui était revenu, son dribble était manqué, ça ne donnera rien. Oui, tension entre Ilicic et Ilicic. Ouais. Ronaldo, récupération. Et Fernandez à la retourne. C'est contré. Oh, ça a chauffé là. Ouh, Zapata est parti. Il doit marquer. Il doit marquer Zapata. Et cette fois, il le fait. Mais visiblement, il est hors jeu. Ah, le drapeau s'est levé directement. Le but est validé. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et donc l'Atalanta peut fêter ce but de Zapata. L'Atalanta qui est devant. Ouais, il va la perdre la Cavani. Mais le... oh, l'extérieur du pied avec encore Bailly. Le bleu et le noir de l'Atalanta. Mais Cop Miners pour une fois, il rate... son coup de coin. Zappa Costa, il y a du monde, il y avait Zapata une nouvelle fois. Bonne conservation du ballon. Il va essayer. Oh, c'était aussi surprenant que puissant, ça. Zapata, qu'est-ce qu'il nous a sorti? 5 minutes. 5 minutes. Shaw pour donner cela. Ouh, Maguire, non. Et maintenant, Sancho qui remet ça dans le paquet, c'est repoussé. On est parti donc pour 5 fois 60 minutes, 60 secondes. Cristiano Ronaldo au deuxième ballon, justement. Oh, c'était attaque de Zapata, ça. Ronaldo, il est là! Il est là, Cristiano Ronaldo, il est incroyable ce joueur. On l'avait dit qu'il allait surgir dans les derniers instants et il le fait. Une fois de plus, la Ligue des Champions, c'est son terrain de jeu préféré. Cristiano Ronaldo, l'éternel, qui sauve peut-être encore la tête de Solskjaer. Deux buts partout.
Sancho avec Van de Beek. Et s'ils allaient inscrire un troisième là, vous imaginez. Et donc ce soir ici au Gewiss Stadium, c'est Atalanta 2, Cristiano Ronaldo 2, mesdames et messieurs, parce que ce phénomène a frappé deux fois encore en Ligue des Champions. Il est venu sauver un point pour son club. Ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.